Saint-Éloi, oui. Très contente de te rencontrer. Merci. Entrevue dans ta région natale, en patin. Ouais, ouais. Parce que le hockey occupe une place vraiment très importante dans ta vie. Ouais, c'est vraiment un sport que c'est une passion là. Je savais pas trop longtemps que je joue, mais j'ai vraiment toujours aimé ce sport là. Mm-hmm. Puis j'ai toujours joué pour le fun. Puis là, à un moment donné, il y a 4 ans, j'ai dit à ma mère là je veux jouer. Là. Puis là, ma mère comme dit. Bon, on me disait toujours non, mais là, il va pas pouvoir nous dire plus tard qu'il voulait pas devenir comédien, mais joueur de hockey, puis on l'a pas fait jouer. Fait que, elle m'a dit oui, fait que j'étais vraiment content. Fait que là, depuis ce jour-là, je suis tout le temps avec les tournois, mon équipe. Fait que c'est vraiment un sport que j'aime. Moi, je suis ta carrière depuis plusieurs années. OK. À cause de mes enfants. Ouais. D'abord avec les Argonautes, et depuis cet automne avec Conseil de famille. Mm-hmm. C'est un de mes coups de cœur. C'est vraiment bon, c'est bien écrit, c'est bien joué. Ouais. Et tu sembles vraiment comme un poisson dans l'eau dans cet univers-là. Ah, c'est malade. Ouais, mais tu sais, Clovis, c'est un ado, il a mon âge. Mmh. On est en train de vivre un peu la même expérience de chacun de notre côté. Lui, c'est un personnage, mais moi, tu sais, dans la vie, je fais ça en ce moment. Je suis un peu dans la crise d'adolescence. Aujourd'hui, à comment survivre à sa famille, le top 5 des affaires qui me gossent, puis en bonus, le top 3 des autres affaires qui me gossent. Et tu es le personnage central. Est-ce que ça vient avec la pression? Bien, c'est sûr qu'il y a un peu de pression de devoir livrer ce que j'ai à livrer. Mais c'est le fun. Puis l'équipe est super gentille, puis elle est vraiment autour de moi. T'sais, pour le reste, c'est une équipe formidable. Là. Oh, j'ai mal au ventre, je vais fendre en deux. Oh my God, je vais être grande sœur! Ben là, puis moi. Toi, tu pourras jamais être grande sœur, Clovis. Ah, OK, les enfants, OK, on se calme. Et ce sens de la comédie, ça semble très naturel. Ouais, c'est le punch là. Je suis assez quelqu'un qui aime faire un peu son spectacle, puis ouais, je fais des blagues, je suis un peu humoriste là chez nous, puis c'est un peu quelque chose naturel chez moi, mais c'est sûr que là j'ai toujours été un peu dans un monde d'adulte quand j'ai été dans les coulisses de spectacle, puis après ça quand j'ai commencé ben la télévision, c'est sûr que là je côtoyais tout le temps des adultes. Fait que c'est quelque chose comme veux pas, on a comme une maturité un peu qui embarque plus vite, puis que fait ouais, c'est un peu quelque chose que j'ai naturellement, puis au fur et à mesure c'est sûr qu'on développe des nouveaux trucs là. Quand les adultes font des remarques sur la puberté, attention, ça commence avec « Oh, mais tu grandis en bien vite! Ils t'ont-tu montré comment mettre des condoms à l'école? » Comment ça se passe, la conciliation, travail, études, hockey? Ouais, c'est sûr que c'est beaucoup, là, mais ça va bien. J'ai un tuteur sur le plateau parce que je manque quand même beaucoup de jours d'école, là, fait que j'ai un tuteur sur le plateau. Vraiment, Joël Dumoulin, un super bon tuteur pour de vrai, là, je l'aime vraiment, là. Puis avec lui, sans lui, ça marcherait pas, fait que on est capable d'être à jour quand même avec l'école puis le tournage, fait que ça fonctionne quand même bien. Mon prof puis la direction de mon école qui sont quand même assez ouverts puis qui m'aident à faire ça, fait que aussi grâce à eux ça peut marcher. Mes parents aussi qui sont là pour moi puis Parce que conseil de famille depuis les derniers mois, ça représente combien de jours de tournage? Ça représente environ 4 jours de tournage semaine. Fait que c'est quand même ça va bien. Là. Fait que c'est environ 60 heures semaine. Ouais. En terminant, Saint-Éloi, on est au Saguenay. Ouais. C'est un retour aux sources que tu fais souvent. Est-ce que c'est important? Oui, c'est vraiment important parce que je pense que avec la famille, tu sais, à chaque année, on revient revoir ici pour le temps des fêtes. Puis toute ma famille, quasiment, ou presque, est ici. C'est tout le temps du fun de se voir. Moi, en tout cas, je trouve ça le fun de les voir. Je sais pas si eux, ils trouvent ça le fun de me voir. En tout cas, j'espère, mais on a vraiment du fun. Puis d'aller voir mes grands-parents qui sont ici, puis que mes cousins aussi, puis mes tantes, puis tout ça. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Merci. Mais merci beaucoup. Là, je suis prête à t'affronter. All right, on prend la poque.